Eh bien, la préparation des play-offs 2 se passe d'une manière on ne peut mieux, à savoir qu'on a fait un match amical la semaine dernière au Bruxelles qui s'est très bien passé avec les joueurs soi-disant qui ne jouaient pas trop, mais qu'on savait qu'ils étaient présents. Du point de vue des joueurs blessés, eh bien, à part Ziggy, qui cette semaine-ci a un petit psoas qui était un peu récalcitrant, tout le monde est présent, même nos internationaux qui sont revenus ce mercredi. Donc de ce côté-là, je pense que ça se passe très bien. Non, moi, j'ai rien repris. Tout simplement, ça se passait très bien avec Luca aussi. Donc nous travaillons tous ensemble. Ici, ben, bon, moi je continue tout simplement, comme j'ai dit, je ne remplace personne, à continuer à faire un travail qui est un travail de fin de saison avec une préparation surtout en vue de la saison prochaine. Et là, je pense qu'avec le staff, les Philippe et Michel, nous sommes très bien placés pour savoir ce que nous devons faire. Donc c'est vrai que plus on est d'entraîneur, plus c'est facile, surtout pour l'organisation. Ben bon, on va essayer de résoudre ce problème-là assez facilement entre nous, puisque de toute façon, nous avons déjà été dans le cas en début de saison avec Michel Bertinchamp, Michel Yannakon et moi-même. Ce qui sera un peu plus difficile à faire, c'est qu'il y aura de toute façon le respect du match, à savoir qu'un match se joue pour le gagner, donc on va tout faire pour faire un bon résultat. Il faudra tenir compte des joueurs qui ne seront plus là la saison prochaine, donc il n'y a pas de raison de les aligner encore. Et trois, il faudra essayer d'intégrer un ou l'autre joueur qui n'a pas eu l'occasion de se montrer pendant le championnat. Ça, ce sont les trois objectifs de ces play-offs 2. L'Union Espoir, ça, je ne sais pas, c'est un peu trop tôt aujourd'hui s'il n'y a pas de blessure, mais on essaiera tout d'abord déjà d'intégrer les jeunes qui sont dans le noyau professionnel. Il y a déjà eu ces derniers temps donc Sam qui est Fabri qui s'est installé il vient de faire 4 matchs consécutifs. Il y a Kenneth qui est là aussi. Guillaume François très bien qui est venu nous joindre pendant le mercato. Donc ce sont tous des joueurs qui ont répondu présent et on essaiera encore. Il y a des joueurs comme Dorian et Greg Lazic qui vont être présents et qu'on essaiera peut-être d'intégrer également.